Here he comes oh my word can you believe the genius of this man what a hit david james stood like a statue and already Salut à tous footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas, bienvenue pour ce grand décrassage numéro 10, et oui déjà le temps passe, euh, l'émission euh, sur internet, sur YouTube, où on débriefe euh, l'actualité du foot et notamment la Ligue 1, ça a été riche en émotions euh, ce week-end, hein, notamment avec le petit synthé que j'ai mis, hein, le PSG déjà champion, parce que le PSG mine de rien a tué euh, ses concurrents. Hein, Monaco, euh, Lyon et Marseille ont fait euh, que match nul. Et bon, c'est pas terrible, terrible, mais bon, euh, c'est pas. On va pas dire non plus que Marseille ou, euh, ou Lyon prétendaient au titre. En tout cas, Monaco, euh, voilà, ils ont pris 6 points, quand même plus 7, on va dire même par rapport au au, au, au golavérage énormissime euh, grâce à l'attaque de la MCN, notamment euh, parisienne. Surtout que euh, il y aura un, un Monaco Paris la semaine prochaine qui va être très très important. Donc, on va commencer tout de suite avec. Euh, le, donc le, le, sur le chat, n'hésitez pas, les amis, à réagir euh, pour me poser des questions et moi, je vous répondrai directement. On va commencer par ce match d'hier. Il y a quand même eu un match euh, assez intéressant hier. C'était le, 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 le Bordeaux Marseille. Hein. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé globalement C'est que il euh, y a eu un match euh, défensif euh, des Bordelais. On n'a pas eu euh, l'occasion de voir Bordeaux comme ça aussi, dé aussi défensif, c'est clair. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment l'ami euh, euh, Morgan Sanson, bon, qui a égalisé dans les dernières minutes, hein, on sait très bien comment ça peut, même dans les dernières secondes, sur un, un, un dégagement de, de Steve Mandanda, euh, le, le gardien de but de Marseille, qui, est, qui je trouve qui est, qui est assez énorme cette année. Il faut dire ce qui est. Il est euh, vraiment dans un dans, sur une autre planète en ce moment, il, est, il, est, il commence à, à bien revenir. Euh, il est euh, intéressant, il est euh, euh, bien dans les duels. Euh, il, quand quand euh, en face à face, je trouve que je pensais qu'il était, était venu en pré retraite à Marseille, mais en fait, euh, ça se voit quand même que c'est euh, une légende pour l'OM. En tout cas, euh, c'est lui qui a l'occasion, euh, euh, qui crée l'occasion sur cette euh, dégagement, sur ce coup franc où ça rebondit sur Bounassar, ça rebondit sur Germain, ça rebondit sur un, un défenseur bordelais et ça tombe dans les pieds euh, de euh, Sanson qui la met à costille, euh, donc qui, euh, qui euh, sauve un peu euh, l'honneur car euh, Marseille n'avait pas gagné depuis 40 saison donc ils gagnent pas mais euh, ils gagnent de... ils arrivent toujours pas à, à battre euh, les girondins chez eux. Donc en Sanson je trouve que dans ce euh, dans ce côté un peu milieu de terrain, euh, il a il a mis Payette, euh, Rudy Garcia qui a Payette, qui est quand même fantomatique en ce moment. Faut quand même m'expliquer pourquoi on le met. Euh, je vous avais dit dans certaines vidéos que il fallait, euh, dans ce milieu à 3, vu que Gustavo n'était pas là, il fallait mettre euh, Sanson en pointe haute, euh, numéro 10 un peu reculé, vous voyez, c'est pas un, un, pas un meneur de jeu, mais c'est un meilleur manière de ballon euh, que certains joueurs. Et vu que Payette était, était, euh, était là, et vu que euh, Gustavo était absent, j'aurais préféré mettre euh, le petit Lopez, qu'il a d'ailleurs mis euh, euh, à la 46e minute, vu le rendement euh, dégueulasse de Payette. Et je pense que Sanson marque des points, il marque des buts à chaque fois, maintenant il est décisif. Il est vraiment intéressant. Il a l'occasion de. de... Enfin, on voit qu'il a l'origine de plein, plein, plein d'actions. Donc, c'est vraiment euh, intéressant. Euh, donc, Gourvenec, euh, Voilà. Euh, J'ai mis une petite image, mais c'est le hold-up bordelais. Il a réinventé le truc. En plus, il y a deux prévilles qui marque son premier but avec Bordeaux, son troisième but de la Ligue 1. But. À la troisième minute, euh, une passe euh, vraiment. Euh, euh, une passe, on dirait un truc. Euh, vous avez des billes ou des calots là Tac. Oh non, je dis pas le trou. Du coup, euh, euh, Zamboigissa fait une mauvaise passe à Samson, qui intercepte euh, de Préville, qui la met bien, qui met une belle frappe enroulée. en Mandanda un peu surpris parce que sur une action de, de jeu où on sort le ballon euh, en défense, comme ça, souvent le gardien, même s'il il doit être carrément toujours sur, sa, sur ses gardes, euh, bah, il était un peu, un peu pas prévenu. Du coup, il s'est pris euh, un, un, bon, un bon enroulé. Et donc ça fait 3-0. Ça fait 1-0 à la 3ème minute. Et après, Bordeaux a reculé. La possession de balle était, a été jusqu'à 65% pour les Marseillais. Euh, ils n'ont absolument rien fait. Ils auraient pu même tuer, euh, faire le break, tuer le match avec le pénalty non sifflé euh, sur Yuno Sankaré et euh, avec euh, notamment aussi une frappe encore de Sankaré qui était tout seul euh, au point de pénalty. Et l'ami Kamano qui a été très bon. Ils auraient pu même faire le hold-up en gagnant 2-0. C'était vraiment euh, incroyable. Comme dit Benoît, euh, honnêtement, Payette s'en tape totalement et ça se voit. Ben, il est venu, il a quitté West Ham pour venir à Marseille, mais on se demande pourquoi il est venu euh, là, l'ami. Euh, mes points faibles sur ce match. Faut qu'on me réponde pourquoi, euh, pourquoi il est là, lui, euh, Mitroglou, là. Voilà, on dirait Moundir euh, de, de, de Koh-Lanta, quoi. Pourquoi Tant de haine Corruption Non mais sérieux, il, il regarde l'heure, genre, il est temps que je marque Il est temps que je m'en aille Il est nul, quoi. Il est, il est pâteau. En plus, il était blessé. Il emmène Payet et Mitroglou blessés euh, pour le déplacement des Girondins, parce qu'il s'est blessé au dos avec sa sélection grecque. Et il est nul, quoi. Ben bah, oui, Duncan pourquoi il est là, lui Non, mais sérieux, il est, il est nul complètement, euh, Mitroglou. Et quand Germain rentre, c'est-à-dire quand, quand euh, Garcia décide de jouer en 4-4-2 avec euh, Ocampos, Thomas sur les, sur les ailes, et Mitroglou et, euh, et euh, Germain, euh, Germain qui tourne autour de Mitroglou, parce que Mitroglou, euh, comme je disais, à part faire la toupie et, et, euh, et tourner autour de lui-même, il comprend rien. Et bien quand Germain rentre, il montre plus que Mitroglou. Donc Germain qui était efficace. En, en, en Europa League qui marquait des buts, qui est mis au placard pour euh, justifier peut-être euh, l'achat de, de 15 patates de Mitroglou euh, le dernier jour du mercato, mais je le trouve vraiment bidon. Paillette, comme disait Benoît, bah, il est là en vacances quoi. Il est là en vacances pour faire des fléchettes sûrement euh, euh, dans sa villa à Marseille. Non mais sérieux, il ne faut rien, je trouve. C'était le, le symbole du Champions Project. Mais je trouve qu'il est... Il est, euh, est pato. Il n'est pas, pas fit, quoi. il n'est pas affûté, il est gros, je trouve... Enfin, j'aime ai, bien ce joueur, mais là, je trouve qu'il n'a pas le rendement qu'on qu qu lui veut. Quoi. En équipe de France, il est plus pris, bah, à juste titre, mais je trouve que... Voilà, Payette, c'est décevant. J'espère qu'à l'avenir, il fera cette triplette, la Mitroglou... Euh, Mitroglou, non, non, non oh là. là. Euh, lapsus. Euh, Gustavo, euh, Zamboyguisa et euh, Sanson. Et puis, voilà, euh, comme je disais... L'ami Gourvenec, qui, est, qui restait sur euh, un, un point sur 15, du coup, qui a deux points sur euh, 18, euh, c'est pas terrible pour Bordeaux, qui, était quand même, euh, qui caracolait presque sur le podium au début de saison. Et bien là, on remarque que a voulu se rassurer euh, en, en euh, bétonnant derrière, en rejoignant, euh, comme je dis si bien, le gang des autobus euh, de Nantes, de Caen, de saint étienne et de euh, Montpellier. Et voilà, il a, il a mis euh, le coffre-fort et euh, il a attendu derrière, il a évolué en contre avec les Malcolm, les Camano. et ça aurait pu fonctionner, mais euh, voilà, où est le 4-4-2 de Gourvenec, où est la touche Gourvenec, peut-être que c'était une petite période de crise qu'il avait euh, euh, l'ami Breton, mais en tout cas, à voir, je suis un peu dé déçu, en tout cas, euh, du, du côté euh, offensif, en tout cas, de, de Bordeaux. On va passer à un autre match euh, qui avait c'est un, un match important, c'était euh, le match euh, de samedi à 17h, c'était le match de Paris et oui c'était énorme donc c'est simple j'ai l'habitude de lire tous les week-ends mais bon Cavani a encore marqué un doublé, c'était pas les plus beaux buts hein. ça, c est, c est, ça lui a un peu tombé dessus notamment le pointard euh, du deuxième but mais euh, voilà il est à 159 buts il, il est plus qu'à 7 buts de la mise latane euh, dans l'optique du titre de meilleur buteur de tous les temps il a dépassé les 100 buts en Ligue 1. Il a battu le record presque de Saïf Keita des années 70, attaquant parisien, 15 buts en 13 matchs de passes dé c'est juste énorme. Il est sous coté, pourtant il est ultra efficace. Chapeau bas. Sur ce match aussi, j'ai aimé Pastoré qui revient, qui devait être, comme j'expliquais dans mes vidéos sur le... Thomas Parlefoot, il devait être la pierre angulaire du jeu d'Emery. Là, il est en partance pour l'Inter de Milan cet hiver. On parle de 20 millions d'euros ou un, un échange euh, contre Jao Mario, un autre milieu défensif de l'Inter euh, portugais, euh, en l'occurrence qui, euh, qui joue plus beaucoup avec l'Inter. Il a été bon, ça rajoute un peu euh, une touche en, en plus pour la Emri qui euh, bricole au milieu de terrain quand Tagumota est, est absent. Il met un coup ses Draxler que j'aime bien parce que lui il perséline. Un coup c'est Pastoré qui est un peu plus intelligent, qui peut voir euh, où est la direction du jeu pour aller à gauche ou pour aller à, pour aller à droite. Il met l'Ocelso, donc un jeune joueur. J'espère qu'il aura une carrière à la Guédèche qui cartonne tout avec Valence. Et il met Di Maria, des fois. Quand Di Maria n'est pas à droite, bah, il le recule au milieu de terrain, qui est aussi dans le même profil que Draxler à percer les lignes pour euh, alimenter euh, la MCN. Donc c'était euh, vraiment. Euh, jouissif de voir Pastore. C'est un joueur de classe. En tout cas, c'est bien. tu t'as 15 buts à 8 tout seul cette saison, mieux que 10 clubs de Ligue 1. <laughs> c'est ça, Benoît. Tu m'étonnes. Et, euh, et, ben, et Verratti, justement, qui. Pour, quand, quand il gueule pas sur le terrain pour une faute, non, mais je plaisante, mais qui a bien digéré la, di la déception euh, de la, la non-qualification de l'Italie, euh, historique quand même, euh, pour la dernière Coupe du Monde. Donc, j'ai l'impression que euh, quand Mota n'est pas là, quand Papi Mota, son pote euh, avec le déambulateur, on sait qu'il reviendra, euh, qui a été opéré, qui reviendra en 2018 sur les terrains euh, de football pour la Ligue des Champions, euh, pour les gros matchs de mars, hein, ce qui intéresse le Paris Saint-Germain, mais on voit que Verratti. Rayonne plus et euh, arrive euh, mieux à, à éclairer le ballon et joue plus vers l'avant. On voit une action euh, énormissime avec Neymar où il dédouble sur le côté avec ses, ses chevilles spatules, là C'est juste, juste incroyable. Euh, pour euh, euh, mes, mes points euh, faibles, c'est simple. Hein, ça va être, euh, être l'ami Ranieri qui avait dit en conférence de presse Non, je ne vais, vais pas aller avec euh, un boost, Je vais aller avec un double bus jaune. Voilà. C'était un 1, euh, Tatarostanou, dans les buts, euh, 9-1. Euh, voilà. Il y avait euh, des Rongiers, des Limas, des Dubois, il n'y avait que des Giroto, il n'y avait que euh, des milieux def, il n'y avait que euh, des joueurs à beaucoup de euh, Derrière, ça a failli marcher, Salah était en train de, de, de camper tout seul. S'il avait pu fumer, il, a, il, a, il, a, il aurait fumé des clubs il prenait des photos, euh, voilà, il testait la pelouse, il a un peu fouté avec les, les supporters. Non, mais il s'est fait chier pendant tout le match. Et on lui a amené un, un, un attaquant à la 59 e minute, après euh, plus euh, Nakulma rentre, il marque une minute après, comme quoi les attaquants, ça sert quand même à quelque chose, ça sert à marquer. Mais bon, il a été dégueulasse à souhait, euh, Ranieri, mais c'est son... Pas dégueulasse, mais c'est son côté pragmatique de Ligue 1. Et euh, on ne peut pas lui dire grand-chose, parce que contre une équipe comme ça, il y en a plein qui ont mis des défenses à 5, mais là, il a vraiment passé le cap en mettant vraiment deux étages euh, de bus, comme j'ai mis sur, le, sur la photo. Donc, euh, voilà. Donc, Nantes rentre un peu dans le rond et laisse partir le peloton des équipes qui jouent et qui prétendent à jouer mieux. On va dire heureusement parce que euh, c'était assez triste. Mais donc, euh, le prochain match entre euh, Rennes et, et Nantes, le derby, euh, la semaine prochaine, s'annonce euh, pas très spectaculaire parce que Rennes qui est en plein doute avec plein de blessés et Nantes qui joue derrière, ça va être pas très sexy. C'est ça, préjouce, Nakulma. Excuse-moi. là, là <laughs> c'est pas faux. Euh, donc, on va directement passer aux autres matchs de cette journée en accueillant. Et oui, en accueillant euh, l'ami, 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 l'ami Olendil. Hop là, l'ami Guillaume. Oh, oh Guillaume, est-ce que tu es là oh, Est-ce que tu m'entends bien bah moi j'entends bien, est-ce que euh, les gens du chat t'entendent aussi Est-ce que vous l'entendez l'ami Guillaume, le Canet, avec son, 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 son beau, beau pull de canne de... Le, beau, le beau maillot Canet, le beau maillot Canet. Ouais. Est-ce que c'est le maillot de René Rodelin On se le demande. Non, c'est le, le maillot de Ivan Santini. Ah, d oh, encore mieux, dis donc. <laughs> Évidemment. Encore mieux. Donc on, on a fait, enfin j'ai fait PSG. J'ai parlé de aussi de de, de, de je sais même plus de Bordeaux, Marseille. On va enchaîner sur Lyon, Montpellier. Bon 0-0. Qu'est-ce que tu en as pensé de, de ce match pareil autobus un peu Eh ben voilà. Je, je pense qu'on peut encore résumer un, ce, ce match, enfin un match de Montpellier comme ça, c'est-à-dire que c'est un bus sans défense, bah, la Nantes quoi, comme d'habitude, et et surtout un Lyon qui sans Nabil Fekir. Euh, bah, n'a plus de jeu tout simplement il n'y a, euh, a plus de il y a, y a plus personne pour essayer de créer quoi que ce soit au niveau du jeu, il n'y a pas un seul vrai bon joueur pour, euh, qui a une vraie bonne vision de jeu euh, que ce soit c'était Endombele euh, Awar et puis euh, Tousard, qui est au milieu de terrain euh, qui n'ont à aucun moment été créatifs offensivement euh, donc ouais, un Lyon sans Fekir, est-ce euh, qu'on peut est-ce qu'on peut parler ouais. d'une Fekir dépendance Je sais pas. Presque quand même. Mais, hein. mais ouais, franchement, on se, de, on se demande vraiment quoi. Il y a, il y a aucune quand, quand Fekir n'est pas là, il y a aucune percussion, il n'y a, a pas de vitesse, il ne se passe rien, il n'y a pas de il y a pas de bons appels, il ne a pas de enfin voilà, il se passe pas grand chose côté lyonnais quand Fekir n'est pas là quoi. Après, est-ce que c'est pas trop non plus euh, inquiétant que Lyon euh, crée enfin euh, comment dire Créer sa tactique et son jeu en fonction d'un joueur. C'est pas non plus. Euh, ça arrive dans plein d'équipes, hein, tu vas me dire. Mais... Ah, bien sûr, bien sûr. Mais c'est à se demander. Euh, c'est à se demander parce que Fekir euh, va sûrement partir à la fin de la saison. Euh, si c'est peut-être post-hiver aussi. Donc, à se demander ce que Lyon va être capable de faire quand, euh, quand ce joueur-là sera parti. Ouais. C'est toujours le même problème. Mais... Voilà, J'ai fait une vidéo hier où il parlait dans. De lui au Barça en tant que plan B, s'il faisait pas Coutinho pour le Fekir en, en juin, mais euh, moyennant 70, je crois, 70 millions, donc bon, ah, il, toute il toute restera fa... pas. De toute façon, on sait très bien qu'il restera de, pas. De toute façon, on sait très bien que a, a toujours été un très bon négociateur pour vendre ses joueurs. De toute oui. façon, <laughs> ça y a, de, y a pas de problème de ce côté-là. Euh, Lyon gagnera un bon petit paquet de blé avec ce joueur-là. Ouais. Tu m'étonnes. pas de problème. Donc voilà sur ce match Montpellier bon voilà Montpellier, ils ont été défensifs on revendra pas dessus on, ouais c'est de ouais, ultra défensif il y a pas grand chose à dire dessus non malheureusement de... non en tout cas voilà, ils sont au Lyon reste invaincu euh, depuis euh, cette journée quand même c'est ce qui était plus le cas parce qu'il est plus le cas de Rennes qui était invaincu depuis quatre journées qui a viré son entraîneur et qui en a pris un autre et qui s'est pris les pieds dans le tapis euh, à La Méno c'est pas évident 2-1 alors à La Méno c'est pas évident euh, Strasbourg a... Plutôt pas mal joué quand ouais. même. Ça a été, voilà, bah justement, ça a été un jeu offensif. Euh, ça a été euh, tout l'inverse du match euh, donc, euh, précédent Lyon-Montpellier. Là, c'est deux équipes qui ont tenté de jouer. Euh, où vraiment, il s'est passé quelque chose. Il y a eu des actions. Il y a eu, euh, voilà, il y a eu pas mal de choses offensivement. Il y a eu un beau jeu au milieu de terrain de la part des deux équipes. Strasbourg était légèrement au-dessus des, des Rennes quand même. Ouais. Euh, mais sinon, ça a été voilà, un match 50-50 où les deux équipes se sont rendues presque coup pour coup. Euh, bon, il y a eu ce carton rouge de Amalfitano. Ah, franchement, bah, yeah. je peux me permettre, mais est un, est un, ce joueur, c'est devenu un abruti. Quoi. Il, ah, il était oui, connu oui, à, oui. à Lille comme ça aussi, pareil, mais c'est n'importe quoi. Le, le rouge est complètement mérité. Bon, après, il, il prend une baffe euh, dans la bon, course. Ouais c'est des choses qui arrivent mais c'est vrai que le geste qu'il fait juste après là c'est quand même un petit poil trop <laughs> ah ouais, non, un petit poil ouais. trop quoi le rouge est mérité le rouge est mérité et je pense que bah, ouais Rennes qui se retrouve à, à 10 contre 11 bah, ça devient plus plus compliqué bah ouais, parce qu'on voit bah, Rennes avait euh, une équipe bah, décimée il y a huit titulaires qui sont qui sont à l'infirmerie hein, et pourtant oui. on dirait que c'est malédiction parce que Gourcuff <laughs> Johan est là mais tout le reste c'était à l'infirmerie. Il a laissé toute la place en disant 7. C'est ça. <laughs> mais euh, non, non, mais euh, c'était une équipe. Voilà. c'est la première de Sabri Lamouchi. on peut pas non plus trop lui tomber dessus. Euh, oui, exactement, exactement. Mais quand on, enfin que... on, voilà, on, on voit que, enfin, on voit, en tout cas à la fin du match, la réaction de, de Lamouchi justement. On sent qu'il n'est pas spécialement concerné par cette défaite. C'était un match de, c'était un test. Ouais. C simplement un test. Il a vu ce que pouvaient donner les joueurs sur le terrain. Je pense qu'il y aura oui certainement des changements au prochain match euh, et que j'espère en, en tout cas pour Rennes que ça remontera vite. Quoi. Le Rennes Nantes, le match le plus, euh, le plus important de l'année, enfin, en tout cas pour ma part, mais pour plein de Rennais, bah, ça il va faut, être tendu. Il faudra que les Rennes soient créatifs offensivement face au bus face au bus jaune. Euh, le double bus même, deux étages. <laughs> Euh, bah, ça va bien euh, quand même pour... Euh... Ah oui, il y a un match de retard de la huitième journée, donc on... il oui. y a Amiens, euh, Amiens euh, Lille du coup, qui se rejoue ce, ce euh, à Lille, au stade de la Licorne. Du coup, bah, on parle de Lille-Sainté, donc deux victoires d'affilée pour Bielsa. Ça, ça va mieux, sauf que bon Sainté, euh, voilà. ça ne va pas. C'est que Lille euh, va mieux, ça c'est clair et net. Lille va beaucoup mieux. Le, le jeu proposé euh, est quand même plus intéressant, il se passe quand même beaucoup plus de choses. Euh, mais en face, on a Saint-Étienne qui est en train de, de faire sa petite descente aux enfers tranquillement. Euh, bon, le classement, le classement n'est pas catastrophique, hein, ils sont septième. Euh, bon, ouais. mais c'est vrai que là, euh, Oscar Garcia qui s'en va, euh, Julien Sablé qui prend les rênes. En attendant, on parle de Galtier pour le, pour le remplacer. Donc, c'est-à-dire que l'entraîneur s'en va, on le récupère cinq mois après. Euh, voilà, c'est à Saint-Étienne le. La direction est un peu particulière quand même. C'est ça. Bah, il parle de Romain Réveli aussi euh, comme entraîneur, mais bon, euh, un, un entraîneur inexpérimenté en même temps. Euh, on va dire la Lamouchi était inexpérimenté aussi, ou Blanc oui, oui. quand il arrive à Bordeaux était aussi inexpérimenté et ça a marché. Si mais veulent, je, sais, euh... je sais pas ce que ça, À Saint-Étienne, je suis un peu. Je, je ne vais pas être dans la peau d'un supporter stéphana parce que putain, si Galtier revient. Fou, ah, on peut leur proposer Garande, bon, s'ils veulent. Garand est un ancien Stéphanois, donc s'ils ont, ont envie de récupérer cet entraîneur-là, il y a aucun problème, on leur Pourquoi donne en, avec en, grand temps. T'en veux plus, en veux plus <laughs> Non, plus du tout. Non. Pourquoi Ah euh... oh, non, 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 non. Mais euh... bon, non on y reviendra ouais, plus, plus tard pour le match. Mais, euh... mais sinon, ouais, pour, pour Lille, quand même, je suis assez content parce que ça va beaucoup mieux. Euh, Bielsa, on voit que le jeu qu'il voulait mettre en place commence à venir doucement. Euh, Nicolas Pepe commence à reprendre un peu ses marques. Trois buts. Euh, El Ghazi commence à, être, à monter vraiment de, de niveau et commence vraiment à être bon offensivement et dans, dans ses attaques et euh, donc euh, ouais franchement Lille commence à venir. Ça bah, commence à venir doucement. Gazi, je peux me permettre, c'est normal parce qu'il est dans mon équipe de QTE Prod sur PES. Voilà, exactement. exactement. Je, pense que, je pense que ça doit jouer. mais bah, il, manque, il manque Bozetti finalement <laughs> en, à Lille. <laughs> c'est ça, t'imagines Oh putain. Non, mais ça va mieux, comme tu dis, à Lille. En plus, apparemment, il y a des rumeurs comme quoi ça recruterait lourd Cyberde, notamment Kevin Gamero. Ce serait, ce serait une très bonne pioche pour les Lillois de récupérer Gamero, effectivement. Tu m'étonnes. Donc euh, content pour les Lillois, ça revient doucement mais sûrement. Euh, bon c'est toujours 18e hein, si je dis pas de bêtises. Ouais mais ils jouent, ils jouent ce soir donc ils peuvent euh, ils avoir soir, 3 points et, et rattraper les, le peloton des 15 points, la 11e place je crois. Donc tu vois ça va vite. Hein. Et justement, justement, le match, le, ce match de ce soir là euh, va être justement va être encore un bon test pour les Lillois, voir si, parce que Amiens c'est pareil, c'est très costaud défensivement et tout. C'est ça. On va voir si cette fameuse attaque lilloise qui prend forme euh, doucement euh, sera, sera, euh, sera efficace contre, contre Amiens. Justement, Amiens qui a fait un plutôt un bon nul contre Monaco euh, vendredi, euh, un partout, but de Gakpé, un ancien monégasque et but de Jovetic sur un super travail de Fabinho. Bien, c'est bien Amiens Enfin, c'est bien. C'est plutôt pas mal Amiens, c'est plutôt pas mal du tout. Euh, L'attaque, enfin euh, le but, euh, le, le but à Mieno est plutôt joli. Euh, oui. C'est une belle, euh, voilà, c'est une belle circulation de balles euh, au milieu de terrain et puis euh, une bonne passe de, de Gael Kakuta euh, dans la profondeur pour, euh, pour Serge Gakpé qui, voilà, qui, qui arrive à tromper euh, Subasic. Donc, euh, ouais, Mien qui, bah, c'est pareil, hein, c'est euh, très costaud, c'est un peu, ça joue un peu à la, à la rangée, quoi, à la vide c'est euh, très costaud au milieu de terrain euh, la défense au début de saison était un peu était une vraie passoire mais ça commence, à, ça commence à prendre ses marques aussi en Ligue 1 donc euh, bah, la Ligue 1 commence enfin à se réveiller un peu C'est ça et euh, il y a encore quelques équipes comme Nantes et Montpellier qui, qui continuent de jouer donc avec ce fameux bus mais les autres équipes commencent à se réveiller un peu. Donc euh, bah c'est plutôt cool quoi. Et puis Monaco, ouais. euh, bah Monaco qui cale quoi, encore une bah fois. Monaco qui cale, mais euh, je sais pas la 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 la, la, la composition d'équipe, Cario Falcao, là, j'aimais bien Balde-Falcao, euh, c'est mieux, mais Cario Falcao, les deux profils, ça va pas du tout ensemble quoi. Bah Cario, de toute façon, euh, on l'a très peu vu jusqu'à présent depuis qu'il est qu à Monaco, ça fait déjà deux ou trois ans qu'il est là. Oui. Si c'est si c'est pas plus et, euh, et jusqu'à présent Carillo n'a jamais prouvé grand chose. Enfin, je pense que Valère Germain avait quand même plus sa place que, que Carillo par exemple. Oui, bah oui carrément. Euh, ouais, ouais. Mais euh, il joue, joue euh, pas à Marseille. Valère Germain. Germain, je pense qu'il est maudit. Je pense qu'il jouera nulle part alors qu'il est très bon. C'est ça. C'est Malheureusement, c'est ça. Mais euh, mais ouais, Monaco malgré euh, malgré euh, le jeu proposé, bah offensivement a beaucoup de mal. Encore une fois, Falcao reste bon mais plus aussi tranchant qu'avant euh, il y a quand même quelques Alors bon il est quand même à 13 buts hein. pas... oui, oui c'est ça mal quand même mais... Mais... Ouais, ouais. il a déjà fait enfin il a il a déjà été plus beaucoup plus dangereux que ça et là pour l'instant il est un petit peu, il est un petit peu, euh, un petit peu sur euh, sur l'arrêt là pour l'instant, bah, l'ami Falcao. Ce qui est embêtant pour Monaco, c'est qu'ils avaient l'occasion de prendre trois points sans, en aucune offense à Yamamien parce qu'ils enchaînent euh, Leipzig en Ligue des Champions, qui est ultra important pour eux, et Paris euh, le week-end prochain, quoi. C'est ça. Ah bah là, là oui, bah de toute façon, là c'est deux matchs ultra importants. Bon, même si voilà, comme tu disais tout à l'heure, le PSG. Est déjà champion, clairement. Euh, on voit pas le PSG calé et Monaco reprendre, euh, gagner tous ses, tous ses prochains matchs et, euh, et revenir à hauteur du PSG. Donc je pense que voilà, ils vont essayer. Il va falloir essayer euh, pour Monaco de, de garder cette deuxième place. Et puis, euh, puis voilà. Mais ouais, là, le... Monaco cette année, c'est plus, plus aussi, aussi fort que la saison dernière. On se rend compte que Kylian Mbappé, malgré tout, ça. manque un peu. Ouais. Était, était ultra important, il n'y avait pas que lui, hein. il y avait Bernardo Silva, il y avait Bakayoko, il, bon, il y avait du monde. Mais offensivement, Mbappé, avec Falcao, cette petite paire d'attaques euh, bah, manque, manque cruellement à Monaco. C est, c est ça. Un joueur important aussi pour une équipe, c'est Ronnie Rodelin hein, qui faisait son anniversaire la veille et qui, euh, qui, euh, qui galise, ça a eu de la folie hein, au stade. Ça a été, euh, ça a été, ça a été compliqué. Ça a été extrêmement compliqué. La première période, quand passe complètement, euh, a, ils ont fait dix bonnes minutes euh, en première période. et Après, sont voilà ont complètement sombré. On laissait le jeu à Nice, euh, malgré euh, malgré que les Niçois n'étaient pas, pas fabuleux, euh, à part Schneider qui a fait deux 3 trois bonnes deux trois bonnes passes, mais sinon voilà. Euh, voilà, de la dixième à la 45 cinquième ça a été un match très moyen euh, des deux équipes. En seconde période, Caen a repris euh, un peu du poil de la bête et a dominé un peu ses Niçois, euh, mais bon, une domination stérile hein, comme d'habitude. Euh, offensivement, offensivement, on, on a beaucoup de mal. On a quatre attaquants quand même. Ouais. Euh, on a Basile, on a Rodelin, on a Santini, on a Kwaku. On n'avait pas Yann Raypas euh, hier, enfin, euh, si, bah, si, hier. Euh, mais voilà, 4 attaquants, on a eu quand même pas mal d'occasions. Euh, on a que 4 tirs cadrés, ce qui est très peu, sur, une, sur pratiquement 20 tirs, je crois. Ouais mais, non, mais, ouais, ouais mais en même temps, c'est. Et puis il a fallu, il a fallu, ouais, euh, il a fallu euh, une, un centre, un centre foireux de <laughs> jeunes je, je crois que c'est jeunes qui centre. Aux et un beau, but, de un beau but de Rodelin. Hein, et un beau but de Rodelin qui, euh, bah, qui d'un seul coup surgit de nulle part, hein, tel un tel un renard, et puis, euh, puis ouais, vient mettre un joli plat du pied. Ouais. Mais euh, mais c'était c'était presque inespéré malgré malgré euh, malgré que vraiment cette euh, ce match nul est mérité quoi. Les Niçois n'ont pas été, été fabuleux. Je pense que voilà, ils ont, eu, ils ont eu quelques bonnes occasions, surtout en fin de match où Vercoutre sort des parades fabuleuses. Mais, mais sinon sinon voilà, Caen a eu de très belles occasions aussi. Et euh, c'est un match nul mérité. La défaite ne l'aurait pas été pour Caen. Ouais, c est, c est, c est... ça c'est ça. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. bien. Autre match nul euh, dans tous les sens du terme, hein. Guingamp-Angers, euh, un partout, euh, but de Camara et but ouais. d'endroit. Bah. Euh, franchement, c'était pas, pas un vilain match. Quoi. Ouais. Vrai. Encore, encore une fois, ça a été un match où, qui a, où ça a joué, où ça a vraiment joué. Alors oui, Benoît rappelle que Santini a raté un, un penalty. Mais... C'est vrai. Pour quand Mais euh, bon, fou. ça arrive, c'est pas, pas grave. Mais euh, pour revenir à Guingamp, euh, ouais, c'était un c'était un bon match, euh, ça a été plutôt intéressant. Il y a eu bah, encore une fois, il y a eu un carton rouge de, de Lucado, l'ancien gardien, ouais. euh, qui est largement mérité. Oh oui, euh, es je pense les, que euh, c'est hein, voilà. ce qui fait mal un peu au, au Guingamp, qui était qui commençait à voilà, qui commençait à bien maîtriser le match. Euh, face, aux, face au, au Angevin qui était euh, bah, encore une fois très très costaud très solide dans, au milieu de terrain et en défense et, euh, et ouais malheureusement ce, ce carton rouge fait mal au, au Guingamp parce que je pense que Guingamp aurait très bien pu gagner ce match ils ont fait un très bon match euh, Angers, euh, Angers bah voilà ça a été euh, ça a été un rock comme d'habitude c'est ça ils ont, eu quelques, ils ont eu quelques occasions sans, sans être euh, sans être euh, voilà, vraiment dangereux. Euh, donc, euh, ouais, Guingamp, Guingamp, aurait mérité une victoire face à face à Angers, euh, Assez, assez, ouais. Je pense que ouais. Un petit 2-1 pour Guingamp aurait été mérité. C'est ça. De Dijon 3, euh, Dijon qui euh, qui va réussir peut-être son pari de, de se maintenir en jouant bien avec des Loglio, ça C'est franchement c'est euh, surprenant. Comme tu disais, euh, les équipes euh, finalement sont en train de jouer. Comment ça se met à jouer ouais. Bah, Dijon, première période euh, nullissime, on peut le dire. Ils sont passés complètement à côté de leur première période. Euh, euh, bah, ils n'arrivent à rien. Euh, les, passes, euh, les passes au milieu de terrain, la construction du jeu, ils ont tout essayé sans jamais réussir quoi que ce soit. Trois, euh, on a profité euh, assez vite. Euh, heureusement, Dijon a réussi à égaliser euh, et à, garder, à maintenir le score jusqu'à la mi-temps. Et puis d'un seul coup, les, je sais pas si c'est l'entraîneur qui s'est mis à hurler dans le dans le vestiaire ou quoi, mais euh, Dijon, euh, Dijon, est revenu euh, métamorphosé en seconde période et a complètement dominé euh, les Troyens euh, avec euh, avec deux, jo... deux jolis buts, un de Tavares et puis surtout un de Quan qui, est... ouais. qui... qui frappe de loin et puis qui... qui qui arrive à choper le petit filet. Il est bon. Hein, Donc euh... ouais ouais, c'est un... c'est un bon petit joueur qu'ils ont recruté là. Et, euh, et Dijon, ouais. ouais, Dijon a quand même réussi à remonter sur la, sur la seconde période. Donc, euh, enfin, enfin un peu de jeu dans cette Ligue 1, qui était, qui était quand même pauvre depuis le début de la saison, à part, à part le PSG euh, qui, qui créait du jeu. Quoi. Là, au moins, ça se réveille. Un beau 3-1 pour Dijon. Ouais, C'est pour ça qu'on va terminer encore. Ah, ils vont m'en vouloir, les Toulousains. Je ne sais pas si Benji est sur le chat, mais le, le Toulouse-Metz, voilà, quoi. On va, on... Vraiment, vraiment, euh, en 30 secondes on le fait parce que... C'est pas, pas après toi qu'ils doivent en avoir, c'est plutôt, euh, plutôt après leur entraîneur qui... Euh, oh pff, qui Il y a des, des bons joueurs, joueurs pourtant à Toulouse Il y a des bons joueurs, mais c'est des joueurs, euh, encore une fois, c'est des joueurs ultra physiques. Et euh, donc euh, Toulouse joue là-dessus, c'est des, des joueurs qui sont voilà, combatifs, un peu de trop parfois, mais euh, c'est des joueurs combatifs au milieu de terrain, une attaque, une attaque assez rapide malgré tout, qui peut faire très mal très vite hein, avec du Gradel, du Andy Delors, du Jimmy Durmaz, tout ça. Mais euh, le problème, c'est que c'est trop c'est trop haché. Se... Voilà, le, le jeu proposé est vraiment bizarre. Euh, ça... On a l'impression que les joueurs sont sont en manque de confiance. Euh... J'arrive pas à comprendre pourquoi, parce que c'est vrai que l'équipe l'équipe est plutôt plutôt propre dans son ensemble, mais voilà on voit contre Metz que euh, pourtant Metz qui est une équipe vraiment très faible cette année, euh, on voit que voilà les Toulousains n'arrivent pas à créer de jeu. En plus ils Absolument. ont joué euh, 70 minutes euh, à 11 contre 10 quoi les ouais. Toulousains. Quoi. Les Messins ouais. Les bien, Mécins, ouais, ouais. Euh... Donc euh, ouais après bon euh... Toulouse aurait mérité un but. Euh, parce que Didillon en face euh, le gardien Messin est juste euh, incroyable, juste énorme ouais. euh, il a sorti deux, deux belles parades dont, dont une euh, où il prend le ballon pleine tête euh, c'est un super barré mais, euh, mais sinon ouais, il... Pff, Toulouse, Toulouse c'est vraiment compliqué quoi. Bah, il pourrait faire quelque chose mais je pense que Pascal n'arrive ouais. pas Nino, à... sur le tchat, euh, Nino sur le chat justement euh, il dit Dupras, je connais personnellement il jouait à Gaillard, à l'époque, en Haute-Savoie, et je peux vous dire oui. que c'est vraiment une tête de con. Bah, bon, c'est ce, voilà, ce, ce qui revient souvent de ce mec-là. Euh, voilà, il, a, il a sauvé Toulouse euh, la saison dernière, oui. et euh, on s'attendait à mieux de sa part, euh, mais là, il n'y a, y a pas de fond de jeu, il y a rien, c'est vide. C'est comme Metz. <laughs> non mais c'est vrai, c'est un jeu vide. La seule chance de la la seule chance de Toulouse, oui, c'est qu'ils ont un meilleur effectif que Metz, parce que sinon, euh, sinon ce serait ce serait peut-être 18 e euh, parce que voilà, c'est il se passe vraiment rien côté Toulouse, hein, quoi. absolument rien. Très bien, on va finir sur, sur ces super paroles, il se passe rien à Toulouse et on va se dire à la semaine prochaine, c'est un autre Canet ça. qui te remplacera, c'est Benoît oui, qui te remplacera et et la oui. semaine prochaine, c'est <laughs> voilà, sa première sélection dans, dans le grand Décrassage là là. C'est ça. Bon, je te dis à bientôt, Guillaume. Merci beaucoup. Hein. Bah, merci à toi. Comme d'hab. Allez, ciao, ciao. Salut. Salut. Oui. Tac. Oh, Ranieri, il m'attend. Ranieri, on va, on va voir les résultats du foot de Ligue 1 qu'il y a eu. On va récapituler un petit peu ça. Guillaume a été parfait, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Euh, les résultats de la Ligue 1. On voit que Bordeaux a fait match nul contre Marseille. Lyon, 0-0, Caen, 1 partout. Strasbourg a gagné contre Rennes, 2-1. Guingamp, Angers, 1 partout. Toulouse, 0-0, Dijon, 3-1. Paris euh, a foutu une branlée, comme d'habitude, euh, 4-1. Euh, face au Nantais, Amiens, Monaco 1 partout, Lille euh, 3 buts à 1. Le classement qui donne euh, Paris, 35 points, 6 points d'avance euh, sur Monaco, Troisième euh, e Lyon, 26 points, 4e Marseille 25 points, 5 e Nantes 23 points. Caen, 19e, euh, donc euh, potentiellement qualifié en Europa League s'il euh, y a une victoire des, euh, des 5 premiers. Euh, euh, en euh, Coupe de la Ligue ou en Coupe de France 7ème Saint-Etienne, 8ème Montpellier, 9ème Bordeaux 10ème euh, Toulouse 11ème euh, Rennes 12, euh, 13, Dijon 3 et Guingamp 14ème avec 15 points 15ème Angers 16ème Nice, Strasbourg 13ème Lille, euh, Barragiste, en position de Baragiste actuelle avec 12 points mais qui joue ce soir contre Amiens, on va voir dans les prochains matchs euh, dans le prochain tableau 19ème Amiens et 4 points pour Metz, meilleur que Benevento en dit quand même encore perdu. Alors, euh, la prochaine journée, la quatorzième journée, et on va voir que il y aura des gros matchs. Donc, ce soir, euh, au stade de Lécorne, le match reporté à cause de la barrière qui a cassé Amiens-Lille ce soir. Donc, Lille qui peut remonter, ou Amiens qui peut remonter aussi, hein, euh, au classement saint étienne strasbourg vendredi, Nantes-Le Derby euh, samedi à, à, à 5 heures. Je pense que j'y serai. Montpellier-Lille, Camp Bordeaux, 3 Angers, Dijon-Toulouse, Metz-Amiens et euh, les, euh, les gros matchs quand même dimanche, euh, Nice-Lyon. Marseille-Guingamp et Monaco-Paris. Décisif, je pense, pour le titre. Voilà, les amis, pour ce grand décrassage, épisode 9. On se donne rendez-vous pour cette émission euh, la semaine prochaine à 5h, même jour, même heure, même terrain. En attendant euh, les débriefings toute la semaine, demain le débriefing de euh, Leipzig-Monaco en Champions League. Euh, je vous kiffe, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu comme quand euh, euh, Nico, euh, Jérôme Leroy vous fait euh, une bonne passe comme ça. Oui Jérôme, c'est super. Allez, ciao les amis, et n'oubliez pas, le foot, ce n'est pas que du business, c'est aussi un sport populaire. Ciao les amis, salut, salut, salut Oh, écran noir.